Vidéo qui s'adresse à la France Insoumise dans le cadre de la réécriture ou de l'actualisation plutôt du programme L'Avenir en Commun. Je l'ai écrit sous forme de contribution écrite, mais je voudrais aussi le partager en vidéo. Dans le cadre de la réforme nécessaire sur rendre notre pays plus démocratique, donc le programme de la France Insoumise, c'est d'avoir une constituante. Alors, j'ai pas bien compris si elle était entièrement tirée au sort, entièrement élue ou un panachage des deux. Moi, je suis plutôt pour qu'elle soit entièrement tirée au sort, un peu comme la Convention citoyenne sur le climat, là, qui a donné des bons résultats, puisqu'ils sont à 90% proches du programme. Donc, on voit que ça peut marcher, même si toutes les personnes viennent de la société civile et pas des élus. En complément donc de cette idée-là, qui fait déjà partie du programme d'une constituante tirée au sort préférablement, je pense qu'il faudrait aussi mettre en place des outils à la fois en physique et à la fois en numérique, c'est-à-dire une plateforme numérique et puis des lieux de vie mis à la disposition, je ne sais pas, des salles de mairie, etc., des salles de fête un peu partout à travers la France, afin que les gens puissent se réunir et discuter entre eux de la réécriture de la Constitution, et puis éventuellement pouvoir dégager des articles, des propositions d'articles qui viendraient nourrir sur cette plateforme numérique la réflexion des tirés au sort de cette constituante. Donc, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire participer la population dans ce processus et pas seulement quelques tirés au sort. Autre chose aussi que j'ai marqué dans ma contribution, c'est qu'il faut rendre le processus transparent. Alors pas seulement par un souci de transparence et de montrer qu'il n'y a pas de manipulation derrière, ce qui est aussi important, mais ce qui est encore plus important, c'est que le fait de montrer, et c'est ce qui a manqué, je pense, au truc sur le climat, là, c'est que le fait de montrer le processus dans son développement permet aux gens de se l'approprier. Un peu comme quand on regarde un film, on est extérieur au film, mais le fait de le voir, on s'identifie à tel ou tel personnage, etc. Et on vit des émotions avec lui au travers de son périple, etc. Et donc, de la même façon, c'est un rapport humain comme ça, de représentation et d'identification. Donc, il y en a qui sont tirés au sort, on n'est pas obligé de tous participer si on ne veut pas. Mais le simple fait de pouvoir constater, de pouvoir vivre les évolutions de la pensée, de la fabrique, de cette nouvelle constitution, etc., permet de s'identifier, de comprendre le processus, de le légitimer et de le faire sien aussi à distance, c'est quoi déjà, comment on dit, par procuration. Donc ça me paraît important, parce que autrement, si c'est à huis clos, etc., et si on a le résultat qu'à la fin, on ne sait pas comment ça s'est produit, et au contraire, on peut avoir un sentiment de rejet, mais ça tombe d'en haut, ça tombe d'un truc secret dont on ne connaît rien, etc. Alors que si on a vu le processus se faire, on n'a pas ces a priori, ces craintes et ces façons de réagir plus ou moins justifiées. Donc je pense que le montrer, c'est aussi montrer le processus, c'est aussi très important. Et il me semble que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, je le mettrai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.